Salut ses amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une autre entrée un petit peu modifiée. Et surtout, un poteau, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Alors toi? Le petit signe Joule, etc. On est bien. Alors, on a présenté tout ton garage. On est passé rapidement sur cette voiture. Donc, rappelle-nous un petit peu dans quel type de caisse on est. 325 kg, le 36, pont soudé. J'aime bien le pont soudé, j'aime bien l'histoire. C'est un vrai tissu Gucci, gros. Vraiment? Ouais, je te jure, c'est d'un sac à main. Et après, tout ce qui va bien. C'est fou. Là, on est en train de boire un petit verre après la vidéo, tranquille. On discute. Et je sais pas, à un moment, tu t'es chauffé. Et tu me dis, viens gros, je vais te faire un petit tour avec le 36. Ouais, bon, tu sais, moi, je dis jamais non à un petit tour, tu vois, mais. Parce qu'ici, vous avez un petit circuit, apparemment. Ouais, avec Jason. Ouais. Il connaît bien. Bah oui, il connaît bien parce que moi, c'est la deuxième fois que je viens ici. Et la première fois qu'il est venu ici, il m'a dit: ah oui, attends, je te fais le circuit d'entraînement. Il m'a fait le circuit d'entraînement. Voilà. C'est le training. C'est le training. Ouais. Bon, ouais, on va dire ça. Allez, vas-y. Donc celle-là, elle fait entre guillemets 200 chevaux. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, elle fait moteur d'origine. Ouais. Bon, après, elle a un châssis, il est bien. D'accord. Là vous faites chier hein. Parce que vous me donnez tous envie d'avoir une 36 ou une 30 modifiée pour faire des drifts. De toute façon, on va faire chauffer un petit peu la bagnole. Du coup là-dessus, qu'est-ce que tu as de modifié Un tour à peu près. Qu'est-ce qui est d'origine en fait? C'est plutôt ça la question que je veux dire. D'origine j'ai le compteur. Ouais. Et est-ce qu'il marche déjà? Ouais. Bah, attends, il y a le deuxième compteur. Là, et une voiture on va dire de... de street, tu vois. C'est qui nous a sifflé? Il est bizarre le mec qui nous siffle. Ouais, c'est notre ami. Ouais, il est... ça sert à rien d'avoir, pour moi, hein, d'avoir 500 chevaux sur la route. Oui. En avoir 200, mais avoir un bon châssis, tu vois. Oui. Et si tu mets un coup de volant, elle va glisser toute seule. Celle-ci, du coup? Ouais. Ok. Après, alors je précise encore une fois, toutes les voitures qu'on filme avec Jason, Tchouf, etc. Eux, ils ont besoin de puissance parce qu'ils ont des normes pour les compétitions. Oui, voilà. Là, on est vraiment, c'est une voiture de fun pour le délire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, vous me donnez vraiment envie d'en avoir une, c'est terrible, quand même. Et c'est bizarre, il y a quand même des traces au sol partout dans cette zone. Oh, mec! Mec, je m'attendais pas du tout à ce que tu fasses ça là. Oh merde. Il marque, tu t'es chauffé quoi. Oh, je suis mort. Toi t'es là, tranquille. Très bien. Évidemment, on est sur route fermée. Ouais. C'est que les figurants. Ah oui, c'est les figurants. Oui, bien sûr. Là, on a pris que des potes sur les figurants, tranquille. Ça devient du porc en fait. Ça modifie toute la bagnole, c'est incroyable. Oh là, mais heureusement que j'ai pas ça. Franchement, heureusement que j'ai pas ça comme bagnole. Oh. Merci.
Mec, t'es un fou! Mec, j'ai cru qu'on allait plonger le mur! Merde! Attends, vas-y! Faut que je me mette dehors pour filmer ça! Il faut que je me mette, faut qu'on fasse un plan dehors, mec! Non, non! Non, mec, là, là, j'ai trop eu peur là! Oh putain! La trace! Non, non, non! Non, 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 mec! Non! Non, non! Je vais descendre dans la bagnole pour faire une prise extérieure. Non, non, mec, t'es un malade. T'es un malade. Je crois que j'ai jamais autant flippé en bagnole. T'es un malade. Par contre, le mur là. Non, non, vraiment. Non, mais non, non. Non. Oh, je crois que là, vous devez être mort de rire. La gueule que j'ai tirée. Ça n'a pas de sens. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Non! Non, 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 il n'a pas touché. Non, il était là. Le pneu était là. Mais comment il peut pas toucher le mur? Non, non, non. Non, ils sont trop chauds. Là, la petite équipe là, de drifters, ils sont trop chauds. Mais vous inquiétez pas, là, c'est vraiment que les premières vidéos. Là, c'est trop. Merde. Merde. Ah non, c'est trop. Ah, franchement, c'est trop, là. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Moi, j'essaie de m'en mettre gentiment de ce petit tour, parce que c'était pas mal. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir beaucoup plus de contenu de ce genre par la suite. À mettre un like parce que ça soutient énormément la chaîne. Je voulais aussi énormément remercier Starfobar. C'est la personne qui conduisait la voiture, donc son Instagram est dans la description. N'hésitez pas à aller voir, c'est incroyable. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Ouais, le mec a fait 100 claquettes quand même.